On a un comité de quartier qui existe depuis 2008 et qui a, disons, une vision générale pour l'avenir du quartier, donc un quartier où il n'y ait pas d'exclusion, où il y ait effectivement du développement durable, de la convivialité, une mobilité douce, sécurité par exemple sur les trottoirs. Il s'agissait pour le comité de créer un peu de cohésion dans ce quartier, de sensibiliser les habitants au développement durable, à la récupération, à une meilleure gestion des ressources. Et nous avons donc obtenu un subside de la ville pour distribuer des fleurs, pour verduriser les environs, le quartier. Des compostières également ont été installées dans différents bâtiments du quartier. La plantation, bien sûr, la plantation. Au milieu des buildings, là. Voilà. Et puis la plantation de plantes grimpantes sur diverses façades du quartier. Donc on espère que le printemps et la pluie vont faire leur œuvre et que notre quartier sera plus vert qu'il n'était avant. Alors c'est le summum du projet, je dirais. C'est effectivement créer une fête de rue, il y en a très peu. Donc c'était vraiment essayer de recréer quelque chose, créer un peu de cohésion sociale dans ce quartier. Et puis beaucoup de convivialité. C'est une excellente initiative pour que les voisins parviennent enfin à se rencontrer et à mieux se connaître.